Il s'appelle Issa, Abdoulaye ou Moussa. Ce sont des mineurs. Comme des dizaines de milliers d'enfants dans les mines artisanales du Burkina Faso, ils s'épuisent chaque jour à la recherche de ce trésor qui leur permettra de survivre. Ces garçons ont entre 13 et 17 ans. Il s'agit de l'une des pires formes de travail des enfants, selon la définition de l'Organisation internationale du travail. Pour vaincre la fatigue et se donner du courage, ils boivent de l'alcool et prennent des amphétamines. Une fois extrait et traité, l'or est acheminé illégalement vers le Togo par de puissants réseaux de contrebande qui s'enrichissent aux dépens de l'État burkinabé. Du Togo jusqu'en Suisse, le métal jaune voyage sans encombre.